propose aujourd'hui une vidéo qui sera ludique pour un article vieux geek. Ce sera consacré à une extension pour Quake, enfin une conversion totale pour Quake qui s'appelle X-Men Revenge of Apocalypse. Ou The Apocalypse, je ne sais plus, bref. Je crois que c'est Revenge of the Apocalypse, oui. Donc en gros, c'est une conversion totale pour Quake qui est sortie fin 97, malheureusement un peu trop vite parce que on sent que c'était un peu sorti de la précipitation, qui nous plonge dans le monde de X-Men. Tous les personnages, tous les adversaires sont des X-Men. Et à ce que j'ai compris, on joue le rôle de Wolverine. C'est une conversion totale qui a été rendue freeware, gratuitielle, courant 2004. Comme d'habitude, vous avez un lien dans le descriptif où vous pourrez récupérer toutes les infos techniques. Sur ce, je lance Dark Places, qui va me permettre de faire vous montrer X-Men. Revenge of Apocalypse. On change. Voilà. Il n'y a plus pour même la musique, désolé. Bon, allez, je vous montre une petite partie d'un démo d'un niveau. Comme vous pouvez le voir, les ennemis sont ceux de X-Men. À ce que j'ai compris, on joue Wolverine. Là, je vous montre, c'est le premier démo que je joue apparemment. Ouais, progression totale ou presque, parce que quand même les sons sont assez proches de ceux de Quake. Voilà, donc vous voyez. Bon, j'attends la fin de la démo pour changer. C'était du rapide. Petite info, il y a 15 niveaux en 2 épisodes, je n'ai jamais réussi à dépasser le niveau 2. Est-ce que c'est lié à des bugs, est-ce que c'est lié à des difficultés, je n'en sais rien. Donc vous pouvez le voir. Le bestiaire est vraiment inspiré d'X-Men. C'est le premier niveau. Et vous allez voir quand même que le premier niveau est très bien fait. On se passe dans la maison des X-Men. Elle est tellement complète que ça fait même un niveau de jeu à part entière. Donc là, par sécurité, par contre, je vais me mettre en mode Dieu. C'est pas bien. Et apparemment, oui, on joue le rôle de Wolverine. Bon, tant mieux. Donc là, je vais vous montrer un petit peu l'ensemble du niveau. Là, c'est l'accès au niveau maximal, mais j'ai jamais réussi à les bloquer, donc je ne peux pas dire comment ça les bloque. Donc par défaut, on a cette arme, le coup de poing, on a le tir simple, la mitrailleuse, ce qui est déjà pas mal, vous me direz. Donc par sécurité, je reste en mode coup de poing. Donc là, je vais passer, si on fait ça, voilà. On arrive à un autre niveau. Coucou la famille. Donc, je voulais quand même vous montrer l'ensemble du premier niveau, enfin du niveau de sélection de départ. Donc là, là si on, voilà. Et là, on peut avoir quelques petits bonus en évitant de tomber au mauvais endroit. Bon, là, on ne va pas chuter parce qu'on meurt électrocuté. Alors,
Voilà, donc on récupère des munitions supplémentaires. Il y a aussi une arme supplémentaire dans le coin, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Enfin, une arme, toujours des munitions. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut débloquer une arme de plus. Voilà. On a lance-flamme. Lance-roquette, vous voyez. Et là, on va activer le mode de vulnérabilité. Quand même, c'est pas mal. Je pense être lié au mode deathmatch. Donc là, on va continuer à aller. Et là, on arrive au point de départ. J'espère pouvoir finir le premier niveau sans trop me prendre la tête. Vous étonnez pas si je sauvegarde régulièrement parce que ce niveau est quand même assez chiant. Il y a un passage qui est spécial acrophobe, donc là les personnes qui ont une peur panique du vide, vous êtes servi. Alors je vais prendre voilà ça. On n'a pas vu dans la démo, mais il y a aussi des scientifiques qu'il ne faut surtout pas buter. En théorie. Donc il y en a encore 20 à buter. Vous comprenez pourquoi je suis passé en mode Dieu. Là, je vais sauvegarder par sécurité parce qu'il faut sauter sur chaque plot. Et comme il y a un sacré vide en dessous, avec la chance que j'ai, voilà! Et de deux. On n'est jamais trop prudent. N'est-ce pas? Allez, à du direct. Voilà. Que j'aime pas cette partie-là. Et de trois. Et de quatre. Petit long qui va bien. Voilà. Et on fait une sauvegarde. Maintenant, si vous aimez les parties toujours spéciales, j'ai la tige verte. On va changer un peu. Le problème, si on n'est pas assez rapide, voilà,
on est soit paralysé, soit par le monstre de glace, je sais pas comment il s'appelle, transformé en glaçon. Et voilà. Ce qui est assez irritant. Alors maintenant on va rigoler un peu en cours, on va faire un petit barbecue. Et oui, on peut faire des barbecues. Et une fois le barbecue terminé, on l'arrose. Normalement c'est ce niveau-là. Non, c'est pas là. Dans le premier niveau, il faut récupérer les 4 ou 5 parties d'une arme. C'est en le remplaçant du Fiend de Quake. Cette espèce de machin rosâtre là qui vous casse les noix. On n'est jamais trop prudent. Alors maintenant. Bon, les graphismes étaient pas mal pour l'époque, mais le problème c'est que la difficulté est très haute par endroit. Ah là, notre ami Hulk arrive. Enfin, Hulk ou l'espèce de Hulk bien casse le bonbon. Je sais pas comment s'appelle ce personnage dans X-Men, mais peu importe. Oups là. Bon, allez, un petit barbecue. On va sur un petit barbecue. Barbecue. J'avais pas assez de munitions pour faire un barbecue. Dommage. Mais cochez, sale bête. Maintenant, si on récupère le morceau de l'arme, on a un message qui apparaît. Voilà. C'est pour détruire Apocalypse. Voilà. Et après, il ne reste plus qu'à finir le niveau, qui est un peu plus chiant parce qu'il y a un passage. Non, c'est pas là. Les niveaux sont quand même assez grands dans ce jeu. C'est pas là non plus. Donc, par élimination, c'est par là. Voilà. Simplifier la tâche, vous pouvez éviter de tomber à court de munitions. Voilà, je sais, c'est pas bien, mais le jeu est suffisamment dur sans qu'on en rajoute une dose. Voilà, c'est un passage qui est vraiment bip. Bien sûr, je suis tombé. Non, je suis obligé de recharger. Alors, c'est le player, load. Et voilà, c'est là qu'il ne fallait pas que je tombe. Je peux me paralyser.
barbecue. Tu peux me faire chier longtemps, toi. Bon, d'accord, j'ai plus de munitions. Cool. Traverse par ici. Voilà. Donc je quitte le jeu. Vous avez vu quand même qu'il est assez difficile. Bon, les musiques sont moyennes, mais pas pire. Voilà, c'était en gros à quoi ressemblait X-Men Revenge of the Apocalypse. Si vous voulez jouer, tant mieux. Je vous souhaite bon courage parce que le niveau de jeu est quand même assez dur. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.